Salut, salut! Bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Niels et on se retrouve. Eh bien, on se retrouve pour des nouveautés. Beaucoup de nouveautés, entre guillemets. Enfin, beaucoup. Salut à toi, Xavier. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. J'espère que tu as profité. Et d'ailleurs, Chavenet, bienvenue à toi aussi. Salut. J'espère aussi que tu as bien passé une bonne journée. J'espère que toutes celles et tous ceux qui sont en France ont bien profité du jour férié. Si vous n'avez pas eu à faire des extras aujourd'hui. Ah mince, t'es au taf. Ah, t'en as même pas profité. Je compatis, Chavenet. Courage. Et merci pour tes petits messages durant la journée. Alors, je vais peut-être baisser un peu la musique. Vous me dites hein, si la musique est trop forte ou pas assez. Il se trouve que j'ai eu un petit souci de dernière minute avec la musique. Ah, et du PowerShell en plus. Ah, c'est vraiment pas de chance. Allez, courage. Doublement courage, Chavenet. On pense à toi. Donc, la blague, c'est que vous avez remarqué que depuis quelques semaines, on a sur la chaîne une playlist qui a légèrement changé. En fait, j'utilisais avant de la musique qui était sous licence, je crois, sous licence Creative Commons, et qui provenait de la bibliothèque YouTube. Donc, je trouvais les musiques plutôt sympas, et a priori, ça ne posait pas de problème. Sauf que, a priori, il y avait des soucis quand même avec les replays sur Twitch. Donc, ça m'embêtait un peu. Puisque j'ai pas forcément le temps de faire les montages de vidéos, donc j'ai pas le temps de les mettre sur YouTube depuis bientôt un an, je crois. Et depuis quelques semaines, j'étais tombé sur une proposition de chez Owned. Alors, je sais pas si vous connaissez Owned. C'est en fait une plateforme pour streamers qui permet en fait d'avoir notamment des overlays, d'avoir des systèmes d'alerting. Ils font pas mal de choses pour aider des streamers en fait à démarrer. Ça permet quelque part pour un nouveau streamer de bootstrap. Et en fait, il se trouve qu'ils ont mis en place une collection de musique sous licence. Alors, je ne sais pas exactement sous quelle licence, mais en tout cas en mode royalty free. Donc, c'est plutôt chouette. Ça fait. Alors, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, mais. Si je vais sur le site, on va passer hop tout de suite comme ça. Si je vais directement sur le site de chez Owned, comme vous pouvez le voir, bon, ça date d'il y a plus d'un an. Et en fait, ils ont pas mal de propositions. Alors de la musique gratuite et de la musique payante. Et ça, c'est cool. C'est assez cool qu'ils proposent de quoi avoir de la musique sur son stream sans se prendre la tête. Et en fait, j'ai tendance à lancer le client Spotify. Et ce soir, pour une raison que j'ignore, toutes les musiques de chez Owned sur Spotify sont illisibles. Que ce soit sur mon appareil, sur l'application Spotify, sur mon environnement de bureau, ou alors sur mon téléphone, puisque j'ai aussi Spotify là-dessus. Et figurez-vous que c'est pas mieux, les musiques. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que chez Home, ils ont un souci avec Spotify? Mais toujours est-il que je me suis rabattu sur une playlist YouTube de chez Owned, puisqu'ils ont mis leur musique disponible sur plusieurs plateformes, fort heureusement. Donc la playlist sera peut-être légèrement différente, mais encore que je reconnais un peu les titres, ça a l'air d'être un peu les mêmes, mais la playlist est pas aussi fournie, je crois. Voilà pour cette petite explication qui fait que les plus rapides à cliquer sur la notification de stream n'ont pas eu de musique d'attente au début.
Quoi d'autre avant de démarrer sur notre comparaison de Firewall? Eh ben, j'ai profité moi du jour férié pour aller monter ce fichu upgrade de HomeLab. Il était temps. Il était temps. Et vous savez quoi? Eh ben, j'ai un HomeLab. Alors, j'irai pas jusqu'à dire tout neuf, mais tout beau. Enfin, tout beau. Le boîtier reste le même. Ça souffle encore un peu beaucoup à mon goût. Faudra que je pense que je vais faire encore quelques modifs. Mais pour ce soir, figurez-vous qu'on va avoir une machine, ma foi, plutôt pas mal. Merci. Alors... New Marvin, j'avais peut-être un Tmux, hop, voilà. Donc, je sais plus si j'ai installé NeoFetch là-dessus, non, j'ai pas installé NeoFetch. Allez, moins Y, installe NeoFetch, tac. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi j'avais pas installé NeoFetch à la base. Il m'installe beaucoup de choses. Alors bon, la machine s'appelle toujours Marvin parce que j'ai pas fait de réinstallation pour le moment, mais je pense que ce sera dans les... Dans, comment dire? Je pense qu'on va refaire des streams HomeLab, on va repartir entre guillemets from scratch. NeoFetch. Donc, notre HomeLab est toujours une Fedora pour le moment. Et cette fois-ci, la machine est une X9, une carte mère X9. Alors c'est une DRE LN4F et on a un Xeon E5 2630. Alors en fait non, les disques SATA, les disques SSD, puisque ce ne sont pas des disques durs, en tout cas ce ne sont plus des disques durs rotatifs depuis un petit moment, sont toujours les mêmes. Je ne les ai pas déplacés puisqu'en fait j'ai changé donc carte mère, CPU, on va dire RAM aussi, puisque j'en ai rajouté. On remarquera que je suis passé de 96 à 128 Go de RAM. Alors pour le moment, j'ai perdu en puissance de calcul, puisque je suis passé de deux CPU à un seul. Pour le moment, tout simplement parce que j'avais un seul Ventirad compatible. J'ai eu beaucoup de peine à trouver un Ventirad compatible avec cette carte mère. J'ai réussi à en trouver un. J'attends un petit peu avant d'aller en acheter un deuxième. Je vais sans doute vouloir faire quelques autres manips avant de passer à la caisse pour le deuxième Ventirad. Mais donc pour le moment, il y a un E5 2630. Potentiellement, on a les 2630L dont j'avais fait le déballage. Quand j'avais fait le déballage, il y a déjà un petit moment, on avait déballé des processeurs en engineering sample. Et j'ai d'autres processeurs, notamment des 2660 V2. Donc à voir, je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, on verra on en discutera sans doute sur le Discord, que je vous invite à rejoindre, qui est par là, est-ce qu'on va faire des streams un peu en mode benchmark, c'est-à-dire que j'essaierai avant le stream, alors sans doute qu'on fera ça les dimanches, j'essaierai avant le stream de changer le processeur, et puis de faire des tests de performance pendant le stream, ça pourrait être une idée. Toujours est-il que je pense que pour le moment, avec 6 cœurs, 12 threads, ça devrait être pas mal. Hein. Si je fais un petit LS... Je sais plus si LSCPU... Oui, LSCPU existe. Hop. Et Xavier qui demande pas de soucis de système quand on change autant de composants sur une machine sans réinstaller l'OS. Alors, à partir de cette génération de carte mère Supermicro, il est possible de démarrer en UEFI. La machine ici démarre toujours en mode, ce qu'on appelle en mode CSM, donc en mode BIOS, et il se trouve que ça passe. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point. Je dirais même d'autres points potentiellement, mais en tout cas, il y en a un deuxième qui me vient à l'esprit, et j'ai fait attention avant de démonter la machine.
Sous Linux, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on démarre, il y a plusieurs composants qui sont, entre guillemets, appelés lors du démarrage d'une machine. On va commencer par le chargeur de démarrage, qui aujourd'hui est Grub 2. Et dans notre, dans le chargeur de démarrage Grub 2, lorsqu'on démarre sous Linux, en fait, non seulement on a notre noyau, donc en l'occurrence moi ici, ça devrait être celui-ci puisque j'ai bien démarré sur le 6.2.15, et on a en plus ce qu'on appelle l'initramfs, qui est en fait un système de fichiers minimaliste compressé qui est chargé par le noyau à son démarrage, et ensuite c'est cet initramfs qui va donner la main au contenu sur le disque dur. Et c'est assez intéressant parce que justement c'est à cause de cet initramfs qu'on peut ou pas avoir des ennuis. Des soucis de système. C'est-à-dire que c'est notamment dans l'initramfs qu'on va trouver un certain nombre de pilotes de base pour la machine. Alors qu'est-ce que j'entends par pilote de base? Eh ben, par exemple, le stockage. Parce que là, si je fais un petit... si je fais un LSPCI, remarque, je vais peut-être faire un sudo avant. Si on regarde, on était passé d'une plateforme Intel 5500 à maintenant une plateforme C600/X79. Et si jamais je cherche, t'es où le contrôleur Ethernet? Non, voilà, Serial Attached SCSI Controller. Là, il y en a un, mais il devrait y en avoir un deuxième quelque part. Par système périphérol, système périphérol, nope. Hey, merci beaucoup pour le follow, Kaneshi. Merci à toi. T'es où? Et bienvenue d'ailleurs, Kaneshi. Bienvenue sur la chaîne. Il est passé où? Il n'y a qu'un seul contrôleur? Ouais, effectivement. Allez, on va faire un grep SCSI. Tac. Donc, il n'y en a qu'un seul. Mais toujours est-il que le contrôleur stockage a, lui, changé, effectivement. Et alors, lorsqu'on installe une distrib Linux, ou en tout cas, lorsqu'on installe notamment une Fedora, une CentOS, une RHEL... le système d'installation, lui, il va regarder le... En fait, il va faire une détection du matériel et il va lancer un outil. Alors, pour les Red Hat compatibles, c'est un outil qui s'appelle Dracut. Et Dracut, lui, a comme objectif de construire cette initramfs en fonction du matériel qui est détecté. Ce qui se passe, c'est que donc, quand on a une Fedora ou une RHEL, par défaut, eh bien, l'initramfs est construit pour notre machine. Ce qui fait que si jamais tu as deux, on va prendre deux ordinateurs portables identiques, et que tu veux interchanger les SSD. Et bien, si tes deux ordinateurs portables sont identiques, il n'y a aucun souci. Le seul problème que tu vas avoir, c'est potentiellement si tu utilises les anciens noms d'interface réseau, comme la MAC adresse ne sera pas la même, et ben tu vas avoir des petits soucis de config réseau. L'IP sera donc différente, et si la machine est en DHCP, c'est pas dramatique. Par contre, ce qui se passe, c'est que si, comme là, ce que j'ai fait, tu passes d'une génération de machine à une autre, eh bien, ton contrôleur de stockage change. Et donc, en théorie, mon système n'aurait pas dû pouvoir démarrer. Ça, c'est la théorie. Maintenant, Dracut, c'est un outil qui est assez complet, assez évolué, et il permet
il permet de faire quelques opérations, notamment de reconstruire cet Initram FS et de le reconstruire de façon à ce qu'il soit le plus générique possible. Et l'Initram FS générique, ça fait notamment partie, je crois, de l'option par défaut dans Debian. Sachant que Debian pose la question. Fedora ne la pose pas, et par défaut, vous met un Initram FS qui est spécifique à la machine, mais Debian propose la question. Et soit vous pouvez le faire spécifique à la machine, soit vous pouvez le faire générique. Et donc, ce que j'ai fait, moi, avant d'éteindre et de démonter mon PC, c'est que j'ai lancé une petite commande dracut, qui est tout simplement, voilà, j'ai forcé la régénération de l'initram fs en lui disant, déjà d'une, on le force, et ensuite on met l'argument moins moins no moins host only. Et tu peux le rebuild en rajoutant les drivers, par exemple, avant de changer de carte mère pour éviter de se taper une réinstall. Alors en fait, on ne rajoute pas de driver, LlamaSpanzer. Enfin, on ne rajoute pas. On ne rajoute pas, comment dire. C'est soit on ne fait pas de... soit en par défaut, Dracut va être en host only. Donc il va charger uniquement les drivers qui sont déjà chargés. Il va mettre dans l'initramfs les drivers déjà chargés pour démarrer la machine en question. Soit tu le mets générique, et dans ce cas-là, il te colle tous les drivers du kernel. Et sur une Fedora, eh ben, étant donné que les drivers de contrôleurs de stockage, il y en a beaucoup, eh ben, tu as de quoi démarrer sur une carte mère X58 comme une carte mère X79. En l'occurrence, c'est aussi ce que j'avais fait, si vous vous rappelez, justement sur l'ancien HomeLab, on va dire, j'étais en SerialATA version 2. Et j'avais rajouté une carte PCI Express pour avoir des ports Serial A3 version 3. Et c'est ce que j'ai fait pour ne pas avoir à réinstaller le système. J'avais régénéré l'Initram FS pour qu'il soit générique, le temps de changer mes disques de carte de stockage, de redémarrer et ensuite de refaire. Là, par exemple, maintenant, ce que je peux faire, si je le souhaite, mais pour l'instant, je n'en ai pas particulièrement... je ne vais pas forcément le faire tout de suite. Je pourrais relancer un dracut moins moins force sans le no host only, ce qui fait que l'initram fs serait de fait, entre guillemets, nettoyé de ce qui est, on va dire, en trop. Donc effectivement, ça me permet de rebuild l'initram fs et m'éviter une réinstallation. Alors, ça a ses limites quand même, hein, parce que si forcément, si les drivers sont disponibles dans le kernel, si les drivers sont compilés, si les drivers binaires existent, il n'y a pas de souci. Par contre, faut pas s'attendre à ce que, par exemple, je sais pas moi, vous avez un contrôleur de stockage, on va dire, exotique, pour lequel il faut compiler soi-même le driver, c'est pas garanti, faudra faire attention. Fort heureusement, et je vais peut-être en rester là pour ce sujet, fort heureusement, l'Initram FS, c'est une archive, en fait. Donc en l'occurrence ici, c'est une archive, c'est PIO. Alors il y a différents formats, hein, par défaut sur une... si je viens ici, puisque je suis aussi sous Fedora ici, slash boot, et que je jette un œil et que je fais un file slash boot, bah tiens, 6.2.15, hop, le même. Là, on peut voir que j'ai beaucoup plus d'informations. Linux kernel x86, boot exécutable, version, machin, voilà. Et on remarquera d'ailleurs que là, pour ma machine, l'Initram FS fait 14 MB. Et sur celui-ci, maintenant, l'Initram FS en fait 44. Voilou concernant cette machine. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Eh ben, hormis le fait que je l'ai pour le moment, j'ai essayé de la blinder en RAM pour être tranquille pendant quelques temps, que je n'ai pas eu le temps de faire les mises à jour de BIOS et de BMC.
Donc la machine est entre guillemets dans son, on va dire dans son jus. Ah oui, je voulais voir le CPU 52630. On va juste aller passer 2 minutes chez Intel et puis après on va passer au sujet de ce soir. 5-2630. Hop là, ah bah là, les cookies. Allez. E5-2630. Donc ça va être le V1, mais il va m'en trouver. V4 non. V4 non. V3, V2 non plus. 2630L, on le connaît. Et c'est le 2630 tout court. Voilà. Donc il y a 6 cœurs, 12 threads. On est sur une fréquence turbo à 2,8 Go et une fréquence de base à 2,3 Go. Par défaut, pour le moment, on est à... Ah bah il est déjà en mode... il y a déjà quelques CPU en mode turbo. Mais la température est largement acceptable. Et si je fais un petit sudo IPM tool sensor. Hop. Faire grep. Temp. Voilà. On a la température système qui est à 35. Périphérol 40, PCH 43. Ça va, on est tranquille. Hey, salut Nidouille! Merci beaucoup! Merci beaucoup pour ton sub. C'est très 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 gentil. Merci de ton soutien. Sans cesse renouvelé. C'est ton 6e mois d'abonnement. Merci encore. Bien le bonsoir à toi donc. Alors je te rassure Nidouille, pour le moment, tout ce que tu as loupé, c'est la présentation du nouveau Home Lab. Voilà, exactement. Pour l'instant, c'est juste une première étape, mais au moins, il y a une machine qui fonctionne et qui ma foi, va nous permettre de s'amuser un petit peu. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, on a un E5-2630, mais ce sera amené à changer. Il y a 128 Go de RAM, mais potentiellement, on pourra en mettre un peu plus. Quand je dis potentiellement, c'est peut-être... Est-ce que je m'engagerai à dire un chiffre? Non. Non. Bref. Oui, belle petite machine. Belle petite machine. J'avoue que ça fait un moment... Bah, celles et ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que depuis genre quelques mois, je voulais pouvoir installer cette machine. Et c'est enfin fait. Et ça fait du bien. Bon. Est-ce qu'on attaque le sujet de ce soir? Ou est-ce qu'on parle encore du Home Lab? C'est une tour ou un U ou deux U? Et ben en fait, Nidouille, c'est la même tour. C'est la même tour, j'ai juste remplacé la carte mère, le CPU et la RAM. Voilà. J'avais entre guillemets investi dans une tour qualitative. Avec une alimentation modulaire. Oui, tout à fait, super micro. C'est en effet du super micro. Des codes, hop. On est sur du super micro. Il va nous le dire. Hop, ici. Et je peux même vous montrer, non, c'est pas ça, ici, oui, bah écoute, la session s'est arrêtée, hop, dans la BMC. Ce fut une grosse aventure cet après-midi, hein, l'installation de la machine. Hop, et donc, tiens, il dit pas ce que c'est sur la BMC, ce que c'est comme machine. Mais bon, c'est voilà, c'est une X9. Est-ce que j'aurais des bons plans pour du matos bon marché d'occasion? Nous demande Ne Me Fais Pas Rire. Des bons plans, pas particulièrement. Alors en fait, Nidouille, j'avais fait un stream début janvier dans lequel j'espérais installer ce Home Lab. Et en fait, il s'est avéré que j'avais pas les ventirades qui allaient bien. Et donc ça a terminé en échec critique. Et vu la problématique du fameux Noctua, et en fait ce qui s'est passé c'est que comme c'était beaucoup de travail entre guillemets d'installation
puisque j'avais squatté le bureau de Studio Cyanotype pour faire le stream, et ça veut dire bouger les caméras et tout ça, c'est pas évident de refaire ça souvent en fait. Même si je serais très heureux de pouvoir faire du montage en direct un peu plus souvent, ça pourrait être marrant. Malheureusement, aujourd'hui, au vu de la configuration du setup de stream, c'est pas encore... c'est pas pour tout de suite. Je n'ai pas une mansarde qui me permettrait de faire ce genre de choses, si vous voyez ce que je veux dire. Pour répondre quand même à Ne me fait pas rire, même si a priori Xavier et Lamaspanzer ont évoqué ça, effectivement, les sites de vente d'occasion, que ce soit eBay ou Le Bon Coin, voilà, pour le matos d'occasion. En fait, c'est moche à dire, mais les bons plans, en fait, faut les chercher. Faut les chercher et être régulièrement en train de regarder les annonces, en fait, avec les mots-clés qui vont bien. Mais ça, on peut pas... comment dire, en fait, pour pouvoir se... ça dépend aussi ce qu'on veut, effectivement. Justement, la Lamaspanzer, c'est... j'allais y venir, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de processeurs, de serveurs d'ancienne génération qui sont disponibles pour pas très cher. Si par exemple on passe juste un petit instant, hein, ne serait-ce que sur eBay, un exemple, si je cherche par exemple un Xeon X, on va dire un X5690, tiens, hop. Hop, alors bon, ça vient de Chine, hein, on va pas se mentir, c'est pas mal de Chine. Oui, mais non, je veux pas me loguer en fait. J'ai cliqué sur continuer. Et là, si on prend un X5690, qui est en gros le pour la génération, alors non pas la génération que j'ai là, mais la génération que j'ai démontée cet après-midi, on est à... ah ouais, quand même, presque 77€ le processeur. Et à partir de là, en fait, va falloir se renseigner en fait sur la machine qu'on a, sur les perfs qu'on a et les perfs qu'on veut. Par exemple, si j'ai envie de maxer une machine de génération X58 ou Intel 5500, effectivement, le must, c'est le X5690. Sauf que, après... On va se dire, ça coûte un peu cher, donc on va regarder un peu ce que font les autres CPU. Et on peut voir que le X5690, il est à 3,46 Go. Hop. Et par exemple, le X5687 est à 3,6 Go. Alors je crois qu'il doit avoir moins de cœur, non? Bon, il a quand même 12 mégas de cache. Mais si je prends le X5680 par exemple, lui il est à 3,33 Go et il coûte seulement 45€. Alors pour 300 MHz, non même pas pour 100, pour à peine 100 MHz, est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre le plus onéreux? Et si on descend sur le X5670, on se rend compte qu'il est à peine plus de 30 balles, alors qu'il est juste sous la barre des 3 GHz. Mais par exemple, si vous avez chez vous un Core i5 ou un Core i7 à 3 chiffres, ce qui correspond normalement à ce format là, des Xeon à 30 balles, honnêtement, ça se tente. Effectivement, sur AliExpress, on trouvera aussi pas mal de kits avec des CPU, carte mère et RAM, voire même ventilation. Par exemple, moi, la machine que j'ai actuellement, la machine qui sert à streamer, Si je vous refais un NeoFetch dessus, vous remarquerez que dedans, si ça veut bien arriver, vous remarquerez que dedans, j'ai un Xeon. J'ai un Xeon E3 1246 V3. À la base, cette machine, quand je l'ai récupérée, il y avait un Core i5 de 4e génération. Sauf que quand je suis allé regarder les Core i7 de la même génération, j'ai vu que ça coûtait une blinde. Genre, ça se vendait 150-200 balles. Et ce Xeon-là, bah, il m'en a coûté même pas 80.
Oui, Gizmo. Gizmo, oui, j'ai investi dans la 3070 Ti il y a peut-être ça doit faire presque un an, je pense, que j'ai investi dedans. J'ai investi dedans au pire moment. Donc je l'ai payé deux fois son prix. Mais étant donné que je change de carte graphique une fois tous les 4 ou 5 ans, oui, normalement, c'est la Nvidia qui encode. Si on fait un petit NVTop, c'est elle qui bosse, hein. On peut voir d'ailleurs, hein. Voilà. GPU même. GPU 35%. Bon. Gizmo, dans son home lab, qu'est-ce que tu as? Tu as un 2700X que tu avais payé 150 balles à l'époque. Et là, tu as un 5700X en attente pour le remplacer que tu as payé moins de 200 euros. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, ne me fais pas rire, c'est en gros. Ce qu'il faut, c'est que tu te fixes quelque part une... comment dire? J'ai envie de dire un objectif. Faut que tu vois ce que tu veux atteindre. Est-ce que tu cherches une petite machine silencieuse, une grosse machine puissante? Est-ce que tu veux beaucoup de cœur? Est-ce que tu veux une fréquence élevée? Tout dépend aussi de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux beaucoup de stockage? Est-ce que tu n'en veux pas beaucoup? Après, il faut aussi être effectivement à l'affût de potentiels récup, que ce soit des entreprises du coin, ce genre de choses-là. Et comme le dit Nidouille, effectivement, une partie des Home Labs est sur des mini-PC de type NUC. Il y a des gens qui s'achètent des mini-PC, que ce soit des NUC ou alors ce qu'on appelle vraiment des... je crois que c'est des, je sais plus si c'est des SFF pour Small Form Factor, mais typiquement, il y a des machines pas très grandes. Genre qui étaient des clients légers, mais sur lesquels ben, y a quand même un CPU relativement puissant, et il suffit de rajouter un peu de RAM, un stockage de type SSD au lieu d'une éventuelle carte flash, et là ça fait... oui, voilà, c'est ça. Et il y a des gens qui en achètent 2-3 et qui se font des clusters avec, par exemple, pour faire du cluster, que ce soit du Kubernetes ou du cluster de virtualisation. Bien, ça fait déjà une grosse demi-heure qu'on papote sur ça. On va peut-être se lancer sur le sujet du soir. Hop. À la base, le sujet de ce soir, c'était un plan B. C'était un plan B parce que j'étais en mode... Pas de soucis, Nidouille. Ouais, ça drift comme chez Emile, effectivement. Mais en même temps, Le sujet est pas loin. Hein. On va aller toucher, voilà. On va aller faire joujou avec des firewalls. Honnêtement, je pense qu'on va, le plan B. Non, le plan D. Le plan D. En gros, l'idée, c'était d'aller faire un petit. Je dis le jeu des 7 erreurs. Alors pourquoi? Parce que je ne vous attendais pas à un comparatif qui soit, comment dire, recherché, qui soit un comparatif exhaustif entre PFSense, OpenSense et DINFI. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des logiciels de firewall, enfin je devrais même dire des systèmes d'exploitation pour firewall. L'idée c'est quoi? C'est que vous installez ce genre de système d'exploitation dédié à faire du firewalling pour avoir un firewall physique ou virtuel. C'est-à-dire que vous pouvez ensuite vous procurer une machine. Alors, vous pouvez vous procurer une machine. Je vais l'attraper. Alors oui, effectivement, la Masspanzer OpenWRT, c'est une autre possibilité. J'évoquais aussi, je crois, VaiOS. Je crois que Nidouille est tenté de faire du VaiOS bientôt. Mais voilà, vous avez par exemple des petites machines comme ça, ce qu'on appelle des mini PC industriels. Ah, tu parles du manager de DINFI ce soir? Ah bah c'est cool. Et là, vous voyez que j'ai genre 4 interfaces réseau. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous pouvez de fait choisir votre plateforme, donc soit une petite brique comme ça, soit un vieux PC de récup. Et ensuite, eh ben, vous pouvez transformer votre machine en firewall, ou alors les mettre dans des machines virtuelles, selon le besoin.
Alors, et le, a priori, Dinfi propose une histoire des Firewall BSD avant-propos. Ah oui, bah oui. L'origine du projet avec Monowall. Oh là là, Monowall. Toute une histoire. Il n'y a pas des screenshots qui traînent de Monowall? Si je vais chercher des screenshots de Monowall sur un... Hop. Voilà, ça ressemblait à ça à l'époque. Interface graphique. Moi perso, à cette époque, quand Monowall est sorti, donc le début des années 2000, moi j'utilisais une autre distrib. Alors Monowall est une distrib BSD. Et moi à l'époque, j'utilisais un autre truc. Voilà, exactement Xavier, j'utilisais IPCOP. Avec ces fameuses interfaces bleu, vert, rouge. C'était marrant. Et orange, je crois. Parce que le bleu, c'était le Wi-Fi, le vert, c'était l'interne, le rouge, c'était l'externe. J'ai jamais utilisé IPFire, Gizmo. Mais on pourra peut-être essayer. Honnêtement, ce soir, parti comme c'est, hein, étant donné qu'on prend notre temps, je pense qu'on va plus faire le setup pour tester. Et ensuite, on installera peut-être, avec un peu de chance, un firewall. Mais on n'en installera peut-être pas 25. IPFire, ouais, IPCOP est mort, mais IPFire vit toujours, je crois. Je crois, hein. Mais la dernière fois que j'avais regardé, ça avait l'air d'être un peu moribond. Si, ils ont sorti un truc, 18 avril. Download. Release 18 avril, oui, mais de quelle année? Et ils proposent que des téléchargements en torrent? Ah non. Ah si, que des torrents. ISO, flash, ok. Mais le 18 avril de quelle année? Ils mettent même pas. OpenVPN, nanana. Direction DistroWatch. Oui, c'est pas bête, tiens, Nidoui, j'y pensais pas. DistroWatch. Et on va aller chercher IPFire. Tac. Alors, oui, effectivement, c'est le 18 avril de cette année. Ah non, ils ont... Oui, mais voilà ce qui s'est passé. C'est que la dernière fois que j'ai dû regarder, ça devait être fin 2000... Oh, non, quoique, c'est 3 mois, 6, 9... Ouais, ils ont mis un petit peu de temps quand même à la reliser, la 173. Salut à toi, Before That. Bon. Alors, est-ce que j'ai quelque part un petit draw.io? Ouais. Je voudrais vous proposer un truc. Existing. Alors. Alors, Before That, j'ai envie de dire les deux, et même plus. Alors, si je fais... Ah oui, ça c'était le vieux lab, enfin, le pas le vieux lab, mais le labo Ascode, on va rajouter, hop, un truc. Et j'aimerais bien que... Ce que je voudrais vous proposer, pourquoi pas... ils sont où les firewalls? Hop, qu'est-ce que j'ai fait de mes firewalls là-dedans? Ça devait être celui-là. Hop. Ce que j'ai envie de vous proposer comme possibilité, ça va être... On va prendre ça. Hop. Parce que l'idée, ça va quand même être aussi un peu de comparer un peu les trucs. Et hop, et on va prendre ça. Hop. Ce que je voudrais vous proposer. Salut à toi, Lateralus. On va peut-être essayer de faire un truc comme ça. On va se mettre une VM bureautique. Et puis on va se mettre un premier réseau, genre entre cette VM là et notre.
et notre firewall ici, hein. Firewall. Tac. Salut Zeux. Bon, les nouveaux arrivés, j'espère que vous avez profité de votre du jour férié. Hop, puis là on va mettre, je sais pas moi, serveur. Serveur. Ouais, allez, serveur. Tac. Donc on va avoir. Hop là. Et en fait, ce que j'étais en train de me dire, c'est que on pourrait avoir donc ici un réseau. Un réseau, on va dire, public. Hop. Non, non, non. Hop, il te manque pas des. Voilà. Pas de soucis, Nidouille. Bonne contre-soirée à toi. Hop, et puis là, on peut faire un réseau qu'on pourrait appeler privé, par exemple. Et là, on va avoir le firewall. Et ensuite, ce qu'on peut faire, on peut s'y prendre de plusieurs manières. On peut se dire que là, on a, en fait, on pourrait envisager de faire ça, vu qu'il y a deux réseaux. On pourrait avoir nos firewalls comme ça en parallèle. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir désactiver le DHCP au niveau des interfaces privées. Ou alors on en laisse un qui fait le DHCP et les autres qui font. Et ensuite on aurait un setup de base en fait qui nous permettrait de d'avoir X firewall en parallèle qui ferait du NAT pour aller vers ce serveur là. Sur ce serveur là on pourrait envisager d'avoir je sais pas moi pourquoi pas un mince c'est quoi le truc de benchmark là. Vous savez, pour tester le débit, j'ai oublié le nom. Ah, j'ai mangé le nom. Oui, hyperf, voilà, hyperf 3. Non, pas speed test, Xavier, parce que speed test va vous dévoiler, même si je sais que c'est déjà arrivé par accident, il va vous dévoiler, peut-être pas l'IP public, mais assez proche. Donc speed test, ça va être un peu ennuyeux. Ah bah s'il y a des trucs où on peut héberger sur le serveur, pourquoi pas, pour faire des tests par exemple de perf, ça peut être une idée. Et puis on pourra envisager d'avoir deux serveurs sur lesquels on mettrait par exemple un truc qu'on veut autoriser, un truc qu'on veut pas autoriser, ce genre de choses. La Mass Panzer, t'aurais pas dévoilé une IP publique comme ça C'est un peu... Je suis en train de me demander où est-ce qu'elle est cette IP-là. Alors... Je le ferai pas... Je vais pas vous le montrer, mais je trouve ça un petit peu... C'est du lab OSEF. Ouais, enfin, ça reste quand même une IP ADSL. Ça reste quand même une IP ADSL, c'est-à-dire que c'est ta connexion à toi. Hop. Alors, je suspecte que tu sois en IP DHCP, mais quand même. C'est un peu dommage. Hop. Bref. Toujours est-il que... là, on est, on aurait une situation comme ça, quelque part vers Nantes. Alors, j'ai même pas regardé, moi, côté géographique. Encore que... Ah oui, effectivement. Ouais, ça se voit dans Louise. Bref. Je suis pas là pour divulguer les infos de localisation de tout le monde. La PTR qui donne le géo. bref, toujours est-il que ouais, IPFire, on pourra peut-être l'ajouter au jeu des 7 erreurs. Mais il faudra que je le récupère pour une prochaine fois. Mais voilà, ça a démarré avec MonoWall et puis IPCop et puis ce genre de choses-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, on a une première entreprise qui a sorti un produit qui s'appelle PFSense. Qui est basé sur FreeBSD. L'entreprise s'appelle NetGate. Et on peut télécharger. Alors, get started.
Get Started Hilo, leur download community, je pense, à mon avis, ou download directement, voilà. Une image, ben on va prendre la dernière, on va se prendre en AMD 64, et on veut une ISO. Donc, PFSense est basé sur, sur FreeBSD, ce qui veut dire qu'on profite de la force du firewall de FreeBSD. Ce qui veut dire aussi qu'on qu'on profite des avantages, je tentais de dire, des avantages de FreeBSD, mais aussi de ses inconvénients. Alors, vous allez me dire, comment des inconvénients sur un système BSD, alors que tu nous bassines avec NetBSD tous les dimanches en ce moment. On va pas se mentir, les systèmes BSD sont moins populaires que Linux, et par conséquent, ça peut arriver. Merci beaucoup pour ton follow, Mr. Kennedy. Merci à toi. Ça peut arriver que des fois, on ait encore quelques petits soucis de matériel. Et puis, je rappelle aussi que certains systèmes sont prêts à, comment dire, à faire des compromis. Je pense notamment à OpenBSD, par exemple, qui, en gros, si vous installez un OpenBSD sur une machine avec l'hyperthreading, vous n'aurez pas l'hyperthreading. Donc là, par exemple, moi, si j'installais OpenBSD sur, sur mon PC actuel, qui a 8 threads, si je vous fais un htop, vous voyez les 8 vCPU, on va dire. Mais si je fais un ls2 slash procpu info, on peut voir... voilà, on a le flag ici, IHT, qui est donc le flag hyperthreading. Donc en fait, il y a 4 cœurs pour 8 threads. 4 cœurs comme ça, hop, pour 8 threads. Et ça veut dire que si j'installais OpenBSD dessus, j'aurais non pas 8, mais 4. Pourquoi ? Bah parce que les gens de chez OpenBSD considèrent que l'hyperthreading possède des trous de sécu qui sont intolérables. Alors, on va télécharger aussi OpenSense. Alors, OpenSense qui est backé par une autre entreprise. Et OpenSense est en fait un fork de PFSense. Select image type. Tiens, allez hop, DVD. Mirror location. Ah, Hollande ? Ah, c'est peut-être le plus proche hein, en fait. Il n'y a pas de miroir en France, donc ouais, Hollande. Hop. Tac. Et le petit dernier que. Dont j'ai entendu parler il n'y a finalement pas si longtemps que ça, c'est Dinfi, qui, contrairement à ces deux autres, aux deux autres, alors c'est un fork de OpenSense, Dinfi, mais c'est fait par une entreprise française, voilà. Alors, nouveau firewall OpenSense. Alors, ce n'est pas le seul fabricant français de firewall, mais en revanche, à ma connaissance, c'est les seuls qui font de l'appliance de firewall open source. Alors, VGA, Serial, bah écoute, ISO, allons-y, c'est parti. Pendant ce temps, ce qu'on va peut-être faire. Hop là. C'est déjà d'une, je vous remets la musique. Et ensuite, alors on aura la documentation, ça c'est cool. Tiens, on va aller télécharger IPF. Ah non, IPFire, c'est du torrent. Ah oui, je n'avais pas lancé mon petit Virtual Machine Manager. Alors, il va falloir que je reconfigure. Est-ce que je peux... Bon, on va faire un nouveau. Allez hop, ajouter une connexion. Ici. Alors. Est-ce que ça passe? Ouais, New Marvin. Voilà. Hop. J'ai pas... si, j'étais là. Var, libvirt, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas trop regardé. Boot.
Oula, oui, c'est vrai, il y a un paquet de choses, mais... Mais il nous manque les dernières Fedora, je crois. Hein. C'est ça, il nous manque les dernières Fedora. On va les récupérer, allez hop. Fedora Project, latest release. Alors, on va prendre la version serveur viteuf. On va faire la network install. Hop, copier le lien. Tac. Ensuite, on veut la workstation. On va prendre l'ISO live. On va pas non plus trop se prendre la tête. Oui, mais non, je veux pas télécharger l'ISO live. Hop, pas ici en tout cas. Voilà. Hop, on refait un wget ici. Pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est revenir ici. On va aller dans les downloads. Et puis on va se faire un petit rsync -avp2. Alors, j'ai un pfSense quelque part. Oui. Chez New Marvin. Tac. Ensuite. OPN. Non. Voilà. Et alors, ce qui a l'air d'être intéressant chez DINFI, c'est qu'il propose un manager aussi, en plus du firewall, j'ai l'impression. Le seul gestionnaire centralisé pour firewall open source. Ok. Alors, le DINFI manager, c'est quoi? Ah, faut remplir un formulaire? Ouais, ok, bon. D'accord. Hop. Allez. Tac. Pendant ce temps, je vais revenir ici. Slash home nils. Et on a. Ah oui, tiens, c'est vrai que j'ai pas lancé le Geekbench sur un. Sur mon nouveau. Tac, ça y est, c'est arrivé. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est faire un mv2 slash home nils pf là-dedans. On va faire un petit. Hop. Comme ça, c'est fait. Voilà, comme ça les deux vont se lancer. Pendant ce temps. Donc, on disait deux réseaux, un réseau dit public et un réseau dit privé. Je pense que pour le réseau dit public, je vais pas me prendre la tête, je vais laisser le réseau par défaut de libvirt. Et pour le réseau privé, bah, on va l'appeler firewall FW test, un truc comme ça. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est par faire une nouvelle VM qu'on va appeler. Hop, alors, déjà, on va faire un petit browse. Hop, boot. Hop, alors, Fedora serveur netinst. Tiens, peut-être faut que je fasse un petit peu de ménage là-dedans. Tac. Fedora, aerohide. Forward. On va lui faire 4 gigs de RAM et on va lui faire 4 vCPU. Hop. 20 gigas, ça va être amplement suffisant. Et on va l'appeler FWL. Non, ça va pas être un firewall. Donc on va l'appeler test. Non, je sais pas moi. Hey, j'ai un problème avec les noms en ce moment. Hein.
Si, ouais, on va la faire FWL client. Bah non, pour le coup, c'est pas un client Nesquik. Mais on va l'appeler crash test. C'est pas mal ça. Ça pourrait être une idée, tiens. Quand je réinstallerai le futur Home Lab, je pourrais l'appeler Buster. Je sais pas si certains d'entre vous ont la ref. Mais. Mais ouais, on va faire FWL test. FWL test SRV. Exactement, Xavier. Miss Busters. Virtual Network par défaut. Finish. CP topologie. Paf. Alors, si. Host pass-through, manualiste. Donc, on va lui dire un socket, deux cœurs, deux threads. Hop. Et pour le reste, ma foi, on est bon. Allez, c'est parti. Buster Kitty, Buster Keaton. Non, pour le coup, c'est pas Buster Keaton, mais c'est que en fait, Cool Geek, Miss Buster, c'était une émission de télé qui passait sur National Geographic, je crois, non? Discovery. Ah non, Discovery. Discovery. Et c'était une émission de science, on va dire. On pourrait dire que c'était un peu l'équivalent américain de notre C'est pas sorcier, sauf que les gars avaient, on va dire, accès à un peu plus d'explosifs. Et de fait, ils avaient des trucs qui étaient un peu plus, comment dire, spectaculaires. Et en fait, régulièrement, comme certains de leurs tests pouvaient potentiellement être dangereux. Ah, mais tu connais Cool Geek alors? Tu connais Cool Geek? Ah bah alors, pourquoi je te l'explique alors? Allons-y, English. Paf. Allez. Partitionnement automatique, ça me va. Route 48, on va l'activer. Allez. Tac. Oui, bah je vais. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Hop. Allez. Tout ça, c'est bon. Le réseau, on va lui faire une IP fixe quand même. Il a pris la 53. Ouais, bof. IPv4. Allez, on va te mettre en manuel. Hop. 192.168.122.122. Allez, je suis. Et gateway 192.168.122.1. Tac. DNS serveur. Voilà. Et son hostname, donc on a dit qu'on l'appelait FWL, FWL, test SRV, apply, voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Femme, Europe, Paris. Oui, mais non, je. Allez, hop. UTC. Hop, voilà. Donc, pendant que celui-ci s'installe, on va se créer un autre réseau. Ici, Virtual Networks, qu'on va appeler FWL Test. Alors, je vais le mettre en mode NAT. Ou pas. Ou pas. Non, je vais pas le mettre en mode tâche, je vais le mettre en mode isolé.
Et on va le mettre en 137, tiens, hop là. Ah mais du coup le feu... Bah non, en fait on n'enable pas. Comme ça au moins on est tranquille. Voilà. Finish. Tac. Une fois que le FWL test est là, je vais pas forcément l'activer au boot, mais il est actif, donc tout va bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle VM aussi. Hop. On va aller chercher notre Fedora Workstation Live. Tac. Allez hop, override aussi. On va lui faire la même. 4096. 4 VCPU. Forward. Lui, on va lui mettre un petit peu plus. On va lui mettre, 80 Go de disque. On ne sait jamais. Et lui, effectivement, FWL test client. On va l'appeler client 0 au cas où. Et on va le mettre dans le NAT pour le moment, puisque l'autre réseau est dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il est complètement clos. Tac. Donc j'ai dit 1, 2, 2. Tac. Begin. Hop. Ça, hop, on va le déplacer. Et ensuite, on va pouvoir commencer à... alors, idéalement, j'aimerais bien avoir le client avant de... avant d'aller... Voilà, allez. Ah, hop, je suis trompé. Tac. Donc forcément, on va avoir le welcome. On va, hop, scale display. Hop, installer Fedora tout de suite. Et en fait, une fois qu'on aura installé cette machine dans le réseau NAT, vu que la machine, on va la laisser en DHCP, on pourra la... pourra la mettre en alors English United States, tac. Keyboard, ok. Oui, non, c'est un client, on va le laisser comme ça. Et partitionnement automatique, allez, voilà, comme ça ça avance vite. Et ce qu'on fera donc, c'est que alors je sais pas, est-ce qu'on mettra les firewalls en parallèle, vraiment, et les lancer vraiment les quatre en même temps? Je pense pas. Je pense que j'en éteindrai un, enfin j'en garderai un allumé et j'éteindrai les autres. Si je commence, alors, je me pose une question, est-ce qu'ils ont de la documentation ? Support, c'est quoi ça? Ah non, support, forcément, ça va être le support payant. Training, je suppose que ça va être... Forcément, ils vendent du training. Alors oui, il y a de la doc PFSense, tout à fait. Mais alors, produit. Oui, c'est exactement ça. C'est la question que je me posais. Alors après... doc.netgate.com. Ouais, j'aurais aimé le trouver directement sur leur site. Je pense que je vais cliquer sur ton lien, Cool Geek. Merci beaucoup. Hop, allez. Alors, moi, ce que je voudrais voir, c'est... Voilà, hardware. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Minimum hardware requirement. Voilà. Ça m'intéresse. Donc déjà, qu'est-ce qu'il nous faut? Ils estiment qu'il faut avoir un processeur x86-64. Alors,
La question qu'on peut se poser, c'est comment on vérifie? Alors, je sais, c'est une question... J'ai envie de dire, c'est un peu... Je sais que mes processeurs sont 64 bits. Mais on peut peut-être jeter un œil avec un LSC... Non, pas LSPCI, LSCPU. Effectivement, tout de suite, architecture x86-64. Ça, au moins, ça a le mérite d'être... Ça a le mérite d'être clair. 1 giga de RAM ou plus. Bon, ça, au niveau des VM, on aura ce qu'il faut. Puisque pour l'anecdote, hein, manger peut-être, voilà. On a ce qu'il faut. Alors, 4/proc/cpu-info. Tiens, on va jeter un mail. Enfin, on le laisse parce que je sais que j'ai... hop. Il y a un peu 12 trucs. Est-ce qu'on le voit Alors, il y a le address. Non, pas l'address size. Est-ce que ce serait pas le long mode, le LM, qui dit qu'on est en x86-64? J'avoue que pour le coup, LSCPU est beaucoup plus... Uname-1M. Alors oui, Uname-1M, oui, effectivement. On le voit tout de suite, on est en x86-64, effectivement. Mais le voir dans /proc/cpu-info, ça m'aurait intéressé. Il nous faudra au moins 8 gigas de disque. Ça devrait le faire. Une ou plusieurs interfaces réseau compatibles et pouvoir booter dessus. Ok. Et ensuite, on a le Hardware Sizing Guidance. Donc ça, c'est intéressant aussi. Parce que justement... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'effectivement, il faut qu'on se pose des questions sur la capacité. Est-ce qu'ils nous donnent un genre d'abac avec... non. Non, ils donnent pas de... Ils nous donnent une... Ah oui, la RAM requise selon le nombre d'états et le nombre de connexions. C'est quand même relativement intéressant. Ceci étant, moi, ce que je remarque quand même, c'est que... il nous dit qu'il faut au moins 1 gig de RAM. Et mine de rien, 1 gig de RAM, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en 2023, 1 gig de RAM, c'est pas énorme. Dans l'absolu, si les Raspberry Pi version 4 n'étaient pas si difficiles à trouver, on serait... vous me direz, les Raspberry Pi sont pas AMD 64. Sinon, côté CPU, tu as un CPU bizarre. 14 cœurs, 20 threads. Est-ce que ce serait pas un 12e ou un 13e gen de chez Intel, Parce que je crois qu'à partir de la 12e génération de chez Intel, tu as... voilà, i7-12800, ouais. En fait, à partir... Alors, je sais pas si AMD a commencé à faire pareil, mais côté Intel, maintenant... Tu as des cœurs dits efficients et des cœurs haute performance en fait. On a dit i7-12800. Ah, bah alors i7-12800. On va prendre le HL, hein. Total cœur 14. Ah non, mais c'est ultra récent, hein. Mais voilà, tu as des performance cores, t'en as 6, et tu as des efficient cores qui sont au nombre de 8.
Et donc, tu dois avoir, à mon avis, tu dois avoir de l'hyper-threading uniquement sur les performance cores, ce qui te ferait que ça te donnerait 12 threads, plus les 8 threads qui correspondent aux 8 cœurs efficients. Je pense. Est-ce qu'il parle de l'hyper-threading quelque part? Et est-ce qu'il dit... oui, il y a de l'hyper-threading, oui. Mais c'est... voilà, c'est une... ma foi, c'est une fort belle machine. Qu'un turbo à 4,8 Go, ouais, ça va, ça. Ah, quand même, les efficient cores, 3,7 Go en turbo. Donc si jamais t'es vraiment en mode... je lance un gros calcul qui a besoin vraiment de toute la puissance de calcul, tu vas quand même avoir 8 cœurs à 3,7 Go et 12 threads à 4,8 Go. Remarque, non, ça doit être le turbo sur un cœur ou sur un thread. Donc c'est même pas garanti que tu sois à ça. Bref, toujours est-il que... on en est où, moi, de mes installations? Ça, c'est quoi? Hop, toi, fini. Hop, et toi, fini aussi. Rebooter. Ok. Ça, c'est cool. Tu as la même sur un 13900KF. Eh ben, vous avez des machines récentes, vous. C'est cool. Enfin, c'est cool. Si vous les faites durer, c'est cool. Bah, toi, il va falloir éteindre. Hein. Je t'avais pas dit de rebooter? Allez, hop, restart. Et l'autre, il vient de redémarrer. Et on a même la web console, donc ce sera cool. Elle date de ce mois-ci, elle est toute neuve. Eh bien, écoute, je te souhaite qu'elle te dure très longtemps. Ok, donc là, on a notre client. C'est cool. Maintenant, allez, setup. C'est prévu, je l'ai construite pour qu'elle me dure le plus longtemps possible. Ah, ça c'est bon à savoir. Hop. J'ai dit non, j'en veux pas. Third party, on s'en fiche. Skip. Allez. Comme d'habitude. Ils ne correspondent pas. Je m'ai trompé. Bon, alors le mot de passe c'est password, hein, donc oui, il est bon. Et il est bon aussi. Hop, allez. Tac. Donc maintenant que nous avons ça. Ah oui, allez, termine de. Non, merci. Je connais bien GNOME 44. Maintenant, on va éteindre la machine. Voilà, power off. Tac. Et on va lui changer son réseau. Et on va la mettre dans notre réseau de firewall de test. Il est où? FWL test. Tac. Appliqué. On va démarrer. Alors, je mets souvent password sans m'embêter, sans chercher à comprendre sur les environnements de lab. Avec ça, tu vas pouvoir jouer au solitaire en 60 FPS au moins. Oh là oui. C'est déjà un laptop de récup, mais pas de raison qu'il ne dure pas un moment. Bien, terminal, tac, voilà. La machine s'appelle Fedora, mais c'est pas grave. On va pouvoir lancer l'installation de. Bon, on va lancer l'installation de PFSense. Hein. J'aurais juste aimé, voilà, hardware. S'il y a des choses à savoir pour lancer PFSense en VM, mais on va apprendre sur le tas. Hein. Allons-y. New et Browse. Alors, PFSense, t'es où? PFSense. Tac.
J'imagine qu'il vaudrait mieux mettre un BSD, et on va mettre FreeBSD, je pense. Alors, de mémoire, salut à toi, Bandy. Ton plus pro... Ah, il n'y a que des ports USB-C. Je vois le genre. J'ai eu le même souci et je me suis procuré un truc de ce genre-là qui donc a un port USB-C d'un côté et des ports USB-A de l'autre côté. Et celui-ci, il a même un petit HDMI. Donc c'est relativement pratique. J'ai fait les yeux doux au boulot et puis hop. Alors, effectivement, Cool Geek, je crois que c'est un FreeBSD 12, donc on va mettre FreeBSD 12.4, je pense. Hein. Hop. C'était style 3 USB et un Ethernet avec. Ah bah oui, ça, c'est aussi une possibilité. Hop. Donc, il nous propose un vCPU et 1 gig de RAM. Qu'est-ce qu'on fait? Je serais tenté de vouloir faire en sorte que toutes nos VM aient à peu près les mêmes capacités. À la limite, pour l'installation, c'est pas dramatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester avec 4 gigs de RAM. Et je vais lui mettre 4 vCPU. Et on va lui laisser 20 gigas comme ça. Et on va l'appeler PFSense. PFSense. Alors, est-ce que ça s'écrit ? Le PFSense s'écrit avec un S majuscule. D'accord. Voilà. Du 4-4. Ouais, exactement. Et on va le mettre. Hop, finish. Alors. Ah, il me met IDE CD-ROM. Franchement, ça devrait passer en série latin. Hein. Virtaio pour le disque, ok, c'est cool. Et l'interface réseau, il me la met en Virtaio aussi. Ça, c'est cool. Ce qu'on va faire, donc on a cette interface là qui va être dans le NAT, on va en rajouter une. On rajoute network et on va la mettre donc dans le FWL test. Tac. Oui, Cool Geek, il y aura OpenSense. Pour le moment, on commence par PFSense. On va ensuite faire de l'OPN, du DINFI et pourquoi pas de... exactement, Bandy. Pour l'instant, j'ai installé, on va dire, la partie... on va dire qu'on a fait la mise en place de la plateforme de test. Et encore. Tac, tac, tac. Hein, j'ai mis une deuxième carte réseau. Est-ce qu'il faudrait pas que je les inverse ? Je sais plus, est-ce qu'il prend la première en guise de... Bon, on verra bien. Virtaio, SATA, les deux sont Virtaio ici. Sound, ICH6, tiens. Il me met un chipset i440 CFX. Il ne met pas un Q35. Ok, soit. Bon, de toute façon, je peux toujours revenir dans les informations. Hop, c'est parti. Allons-y. Bah, e-boot. Parce que de toute façon, ensuite, je peux revenir ici. Et je vois que là, la 4E, elle est en NAT. Et la C2, elle est dans le réseau interne. Hop, et tiens, on va agrandir ici. Histoire que vous voyez quelque chose. View, skill display, always. Voilà. Alors... Ok, donc oui, forcément, ça appartient à Netgate, on a compris, et on va installer. Oui, default keymap, c'est très bien. Ah, ils mettent du Rudon et du Rutan ZFS. Ouais. C'est quoi le setup recommandé? Est-ce qu'ils ont un truc installation et upgrade? Hop.
Tiens, il propose rien pour Libvirt, c'est un peu dommage. Ok, installation walkthrough, cool. Qui map, ça on l'a vu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? ZFS file system, more reliable, more feature, ouais. Mais il peut être memory hungry. Si, en effet, Proxmox, c'est du KVM, comme Libvirt. On va peut-être se mettre en mode BIOS, en UFS. Hop, comme ça, on va lui laisser ses chances. Et puis si le fond, on fera une deuxième install avec du ZFS. Hein. Je suis pas... On fera un PFSense 2. D'accord, une fois que c'est fini, allez hop. Would you like to open a shell in the news? Non. A priori, tout va bien. Rebooter. Et on va voir le résultat. Alors pour les habitués de la scène, du stream, vous savez qu'on a déjà, fait de l'OPN Sense sur la chaîne. Puisque j'avais mis quelques OPN Sense dans mon home lab. Alors. Les deux interfaces. Ah non. Down. What? Shoot VLAN setup. Non. Enters one interface. Alors. La VTNet 0, c'était celle en 4C. Alors la question c'est, la 4C, elle est... La 4... Comment ça la 4C? Ah non, 4E, ok. Là il me demande la 1. Donc la 1, c'est celle qui est dans le NAT. Bon, c'est la 4E. Et la 4E, c'est la VTNet 0. Donc, VTNet 0. Tac. Et VTNet 1, forcément. Oula. Tout procède. Ouais. Allez, c'est parti. Tu as appris tellement de choses en manipulant les règles du pare-feu PFSense sur ton projet, c'était trop trop bien. Alors, nous de notre côté, donc on a bien récupéré une IP, ok. Donc maintenant, je dois avoir ici la VM qui a enfin du réseau. Voilà, on va pouvoir lancer un Firefox. D'ailleurs, on va se mettre un petit peu hop comme ça. Ah non, c'était pas celle-ci que je voulais, c'était celle-ci. Voilà. On va sauter ça, Firefox, c'était gentil, mais on s'en fiche. Start browsing, voilà. Et on va aller mettre https://, on a dit 191.168.1.1. Forcément. On a la blague du certificat autosigné. Voilà. Et on va dire accepter le risque.
Voilà. Alors, est-ce qu'il m'a donné un login et un mot de passe par défaut ou pas? Et ben on va faire un reset. Alors, admin PFSense. Ok, et ben ça m'évite de le chercher. Merci Bandit. Admin PFSense. Tac. Non, je me suis. Voilà, c'est juste que je l'avais. Non, c'est que je l'avais tapé un peu trop vite et ça a fait. Ça a dû taper deux trucs. Allez, on va changer le mot de passe tout de suite. Et on va lui dire, bah, tout simplement, comme d'habitude. Pas s'embêter la vie. Et ensuite, où est-ce que j'applique? Save. Voilà, donc normalement, là, si je me délogue et que je me relogue. Voilà, alors. User survie, on verra plus tard. Donc on a déjà réussi à installer ça. Alors, système on latest version 1. Ok, ça c'est cool. Est-ce que. Comment on procède? Est-ce que je nous fais d'abord une installation basique de tous les firewalls? Ou est-ce qu'on commence déjà à faire mumuse avec celui-ci? Ah, tiens, maintenant que j'ai de l'internet, lui il est. Enable for. Oh, allez, enable si ça te chante. Tac, allez. Quand tu dis faire mumuse, tu entends quoi par là? Bah, disons que ça va commencer à être se balader dans les menus. Je pense qu'il y aura certains trucs à désactiver. Je pense que. En fait, typiquement, ça veut dire. Ça veut dire aller sur. Comment dire en gros, ce qui se passe, c'est que dans les expériences que j'ai pu avoir sur la chaîne. Avec le Home Lab, quand on avait fait de l'OpenSense, il y avait des règles, notamment de firewalling par défaut, qui étaient un peu ennuyeuses quand tu avais deux réseaux privés de chaque côté. Et notamment les histoires de DNS, ce genre de choses-là. En tout cas, en termes de gateway, ça fonctionne, hein. Il m'affiche les updates. Je pourrais les. Les mettre maintenant. Effectivement, je pourrais mettre le flag host. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai juste. Je l'ai probablement zappé. Il a écrit quoi, KVM guest? Ah, système KVM guest. Ok, bah tiens, on va commencer par. Hop, on va faire ça, tiens, allez hop. Déjà, on va Alt System, tiens, allez, zou. Oui, on veut shutdown. Hop. Je crois que je l'ai un peu zappé sur le. Même pas 7 minutes d'uptime. Allez, CPU. Hein, pourtant, il y a un copy host CPU. Host pass. Bon, on va forcer le host pass-through. On va voir, comme ça. Tac. Ah, il me fait là. C'est dingue, ça. Il est censé me le dire, pourtant. Toi, ce que tu avais fait, c'est créer un réseau complètement isolé. Cette option a-t-elle de vraie importance pour le S-Guest? Alors, Nesquik, c'est plus pour du. C'est plus pour de l'affichage. Mais parfois, tu peux avoir de la détection. Ça dépend de l'OS, en fait. Ça dépend de l'OS-Guest. Comment il check
les features du CPU. On va attendre qu'il ait fini de démarrer. On n'a plus de musique. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Merci beaucoup pour le follow. Alors, je vais avoir du mal à prononcer vu qu'il y a zéro voyelle là-dedans. 10, 10 dread. Voyons voir ce que ça donne. KVM guest. Remarque, non, en bas, attends, il le dit. Regarde, il écrit CPU type. Non, non, c'est bon, il les voit. Donc on est bon. On est bon. À mon avis, c'est qu'il, ouais, il a reconnu que c'était une VM, quoi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va l'éteindre et on va installer les autres viteuf. Comme ça, au moins, on aura parcouru les installations de tous les firewalls. Ça permettra de se faire une petite idée déjà de comparaison. Ou en tout cas, au moins un deuxième. Et on va juste, pour la blague, et changer un peu. Est-ce qu'il y a moyen de l'éteindre depuis System Advanced? Non. Non, là, j'ai rien. J'ai pas un truc pour le rebooter et le... General Setup. Services. Ah, peut-être. Dans Diagnostic. Alt System. Ok. Dans Diagnostic. Diagnostic. Alors, je vais être complètement transparent avec vous. Je trouve ça d'une logique qui... La logique m'échappe, en fait. La logique m'échappe. C'est du même niveau que le menu démarrer pour arrêter la machine. Les grands esprits se rencontrent, Xavier. Alors, Cool Geek, on a PFSense, OpenSense, DINFI, et a priori, on va se rajouter IPFire. Hop, donc. Donc là, normalement, on devrait... Ouais, remarque, tu me diras, il a son IP, il est content. Et il est où mon firewall? PFSense, PFSense, PFSense. Tu t'appelles... J'ai trop de VM. J'ai trop de VM sur ce home lab. PFSense. Donc on l'a, il est shut off. Bah écoutez, ouais, allez, soyons fous, on va lancer l'install de DINFI. Allez. New Virtual Machine. Oui, Cool Geeky Pekop, c'est mort et enterré depuis quelques années maintenant. Allons-y. T'es où l'ISO de DINFI? Tac, 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 installeur VG. Hop là. Et là, par contre, on était sur du FreeBSD, FreeBSD 13. On va mettre 13.1. Allez, hop. Forward. Et là, pareil, on va te mettre 4 Go de RAM et 4 VCPU. 20 Go de disque. Hop. Alors, comment ça s'écrit, le DINFI? Hop là. Ils ont mis un D et un F majuscule. Hop. Et network default, ce sera pas... oui, ça va être NAT, mais de toute façon, on va remettre un deuxième. Alors, CPU. Donc voilà, on est bien au host pass-through. Et je fais juste un socket, 2 cœurs, 2 threads. Hop là. Le CD SATA, c'est très bien. La NIC, elle est bien, Virtio. On rajoute la deuxième. Network... Et on va la mettre dans le FWL test. Et c'est du Virtio aussi. Et il n'y a plus qu'à.
Et effectivement, c'est encore du ICH6. Ok. Bon, ok, ils ont customisé le truc. Qui c'est qui a un abonnement chez Netgate? En tout cas, pas moi, hein. Tiens, on dirait le logo de Nidouille. Effectivement. Alors, on va se faire un petit scale display encore, hein, parce que, hop, voilà. Comme ça, on est bien. Install shell live cd. Bon, install. Default keymap. Et on va le faire en UFS aussi. Et entire disk. EMBR sera très bien. Finish. Commit. Ah mais il n'y a pas de souci, Bandit. Honnêtement, je j'ai pas de j'ai pas d'abonnement sur une plateforme. Pour le coup, j'ai téléchargé les trois ISO, je vais pas dire en début de stream, mais presque. Et j'ai tout récupéré en version gratuite sur les sites des projets concernés. Oui, alors il y a pas mal de VM, mais ça reste sur une machine locale, hein. Le serveur Marvin, là, il est dans mon réseau local, hein. Et là, l'interface que vous voyez, c'est Virt Manager, hein. Donc, en fait, la machine, il y a beaucoup de VM, oui, mais elles sont toutes éteintes, hein. Voilà. C'est juste que de fait, je me retrouve avec une liste de VM qui est un peu longue. Mais non, effectivement, les VM sont chez moi. Mais justement, Bandit, en fait, on en discutait en début de live, c'est que j'ai fait un upgrade sur la machine qui me sert à justement à héberger toutes ces VM. Time zone. Ah, oh, tiens, c'est gentil de me poser la question. UTC. Ouais, on est le 18 mai 2023. Ça se... Ouais, skip. Allez. Ouais, ok, skip. Allez. Allez, reboot. Oui, c'est que en fait j'ai remplacé carte mère, CPU, Ventira de RAM. Le CD ok, le CD virtuel est en SATA 1. Et en termes de ressources, alors pour l'anecdote, ce que tu as comme machine, je sais pas si c'est une machine bureautique que tu m'indiques, mais en gros, pour information, Bandit, moi j'ai à peu près la même config que toi, mais en machine bureautique. C'est juste qu'au lieu d'un i7 4770, j'ai pris un Xeon parce que j'avais un i5 avant et que j'avais pas envie de payer ultra cher pour un i7. Mais comme le dit Cool Geek, ça va dépendre de ton besoin. Quand on fait quelques VM, 16 Go de RAM, c'est amplement suffisant. Quand tu veux monter un lab un peu plus conséquent, oui, il vaut mieux passer sur du 32, voire plus.
Alors là, par contre, c'est intéressant. On n'a pas de. Il nous demande un login tout de suite. On n'a pas de. On n'a pas d'informations en mode. Ressources, documentation, guide utilisateur du firewall. Allez. Alors, installer. Checklist. Tac, tac, tac. Les étapes de l'installation. Après, il faut voir combien de VM tu veux. Bah, en fait, alors, Cool Geek, tu dis que ce sera trop léger. Ça dépend. Honnêtement, un Core i7 de 4ème génération, épaulé avec un GPU, un bon GPU, tu peux jouer avec. Hein. Cool Geek, pour info. Alors, certes, tu me diras que mon GPU actuel, c'est un peu abusé. Mais la config fait tourner Cyberpunk. J'ai juste pas joué depuis près d'un an, mais. mais j'arrive à lancer Cyberpunk et à faire du 60 FPS. En 1440p. Bandit, en fait, ça va dépendre de ce que tu veux. Honnêtement, ne t'embête pas t'embête pas à aller racheter une autre machine. Tu as déjà une machine avec 4 cœurs, 8 threads, 16 gigs de RAM. Honnêtement, éventuellement, selon ce que tu vas faire en termes de quantité de VM, tu pourrais atteindre les limites de RAM parce que ça dépendra de ce que tu auras déjà de lancé. Mais déjà, fais avec ce que tu as. Et c'est quand tu te sentiras contraint par les capacités matérielles que là tu pourras commencer à te dire il me faudrait autre chose. Et l'avantage que tu auras, c'est que tu pourras à ce moment-là te dire eh ben il me faut tant de CPU en plus, tant de RAM en plus, et tu auras une meilleure idée de quoi chercher en fait. Il est effectivement probable que le premier point ce soit la RAM. Pour un Core i7 de 4ème génération, donc tu es en DDR3, j'ai vu passer des kits sur le bon coin où en gros tu as 4 barrettes de 8Go, donc 32Go de RAM pour un peu plus de 50 balles. Donc ça peut donner un ordre d'idée. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre 50 balles dans de la RAM, sachant que tu as mis 100 balles dans la machine? Moi, j'aurais tendance à dire, fais d'abord avec ce que tu as. Et quand tu sentiras les limites, que ce soit CPU, stockage, mémoire vive, là, tu te diras, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne une machine complète, autre, plus puissante, ou est-ce que je fais juste... je rajoute du disque ou je rajoute de la RAM. Sachant qu'ensuite, selon les upgrades que tu vas faire, tu pourras potentiellement réutiliser le matériel. Typiquement, par exemple, un SSD de 1 Tera, tu pourras toujours le mettre dans une autre machine plus tard, par exemple. Et la RAM, ça va dépendre de si la machine d'après est encore en DDR3 ou en DDR4. Oui, tout à fait, genre de CPU, 4Go de RAM. Là, honnêtement, je profite que j'ai le Home Lab qui est allumé pour faire les VM dedans et pour pouvoir avoir des VM un peu gonflés, quoi. Alors, ensuite... non, c'est pas ça que je veux, moi, à la base. Documentation, je veux installer le firewall... Checklist, bien choisir son hardware, les différents modes, liaison série, bon là on l'a mis en VGA, installation, en mode virtualisé en VGA, ok. Premier boot, alors on va vérifier ça. Quand tu crées des VM au taf, elles sont de base 1 CPU, 1 giga de RAM. Et ça tombe pour faire des tests. Oui, bah oui, tout à fait, tout à fait. Et McFly, pardon, j'ai oublié de te saluer, donc bonsoir à toi aussi. J'espère que ça va, j'espère que tu as passé une bonne journée.
J'espère que tu as bien profité et que tu n'as pas, tu as profité d'un jour férié. Alors, installation, gna gna gna. Ok, next. Donc ça, c'est le premier. Via l'interface série, what? Attends, moi j'ai rien vu là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va falloir que j'aille me mettre en fin. Ok, alors attends, s'il y a un truc sur une interface série, sudo. Ah mais attends, mais sudo. Ah attends, mais attends, je peux l'accéder en graphique. View. Console serial. Paf. Non. Non, j'ai rien sur le serial. Donc effectivement, on est bien en full VGA. Ok. Hop, on revient ici. Mais il ne m'a rien affiché en termes de d'affichage. Donc la documentation est pas peut-être pas ouf. Parce que effectivement, je n'ai pas de menu sur mon firewall. Il est possible de directement se connecter à l'interface web depuis le LAN via un câble Ethernet. Alors, la question c'est est-ce qu'il m'a fait les interfaces? Hop, on va aller voir ici. Et on est toujours un peu bloqué à ce niveau-là. J'ai pas un terminal? Si, j'ai un terminal. Hop. Ok, et si je fais un ping vers, on va dire, bah là, 1.1. Non, j'ai rien du tout. Donc là, on est un peu embêté. Je vais tenter un reboot, on sait jamais sur un malentendu. Hop. Le login pass est mentionné au-dessus. Tu l'as vu passer sur le doc. Ah, je vais peut-être louper alors. Ah oui, d'accord. Route d'Infi. Ok. Donc ça va être pour ça. Allez. Donc lui, il réclame qu'on se log dès le premier boot. C'est pas con. C'est pas con. Ok. Hop. Puis une fois qu'on aura fait la première config, eh ben on s'arrêtera là, puisqu'il est déjà 10 heures passées. Bon, on aura pas mal parlé du nouveau HomeLab finalement ce soir quand même. Mais au moins on a mis en place les bases pour aller faire des tests. Et on pourra faire mumuse et on pourra éteindre un firewall, en allumer un deuxième et comparer relativement rapidement. Ben alors. Ah si. Ok. Ah maintenant on a un truc. Allons-y. Assigner les interfaces. Tac. Do you want to clone? Non. Est-ce qu'on va faire du VLAN? Non plus. Alors, ça c'est la WAN. Donc le WAN, on a dit que c'était la 91. 91, donc VTNet 0. Et donc l'autre, la LAN sera la VTNet 1. Et on n'a rien d'autre. Est-ce qu'on veut continuer? Oui. Alors McFly, moi dans mon expérience passée, j'ai fait joujou avec, enfin j'ai fait joujou, j'ai utilisé du checkpoint, j'ai utilisé du Fortinet, Storm Shield Clavister, non, j'en ai pas utilisé.
J'ai utilisé de l'OPN Sense aussi. Et c'est tout. Il n'arrive pas à se connecter à la 1.1. Alors attends, il s'est pris quoi comme IP lui? Si, il s'est pris 1.1. Ah, il répond plus. Wired. Allez hop, Wired Settings. Oui, ça ressemble furieusement à PF Sense, je suis assez d'accord. Allez, on déconnecte, on reconnecte. ...102 cette fois-ci. Hop. Toujours pas de... Bon, à la limite, peut-être que le firewall par défaut fait sauter le ping. Donc là... Ah, mais attends, je me demande s'il n'y aurait pas à cause du... Allez, on va couper Firefox et on va le relancer. Open Previous tab. Oh, c'est pas grave. Allez. Bah oui, il a toujours la 1.1, effectivement. Hop, alors. Il a toujours la 1.1. Mais par contre, elle ping pas. Alors, est-ce que... Je vais peut-être revoir les... Alors, si je lui réclame un shell, on sait jamais, je me suis peut-être trompé dans les VTNet 1, elle a en interface, en Ether, C8, reload all services. What? Attends, mais pourquoi elle est en 101? Ah, elle est en 101, ok. Ok, elle est en 101, soit. Pourquoi j'avais vu, hein? C'est peut-être qu'il est tard. Ah oui, 101. Ok, c'est moi qui... C'est moi qui est fatigué. Allez. Ok, donc voilà. Hop, et on a tout de suite un wizard. Donc hostname, bah ouais, d'infi, local domain, English. Primary DNS server, bah 192.168.122.1. Allo DNS server to be overridden, ouais, enable resolver, ok, enable DNS, ça on va peut-être pas le mettre, mais c'est chouette que ça y soit. Time, les time server, bon on va les laisser comme ça, hop, en UTC, configuration générale, bon ça on s'en fiche, statique, ben, ça de toute façon on va le laisser en DHCP, donc on est bon, et par contre ça on va le, tout de suite on va le décocher. Et on, ça aussi, on va le décocher. Parce que sinon, on va pas pouvoir accéder à grand-chose. Ah, d'accord. Donc, il s'est mis en 101. Mais maintenant, on peut lui dire, et au fait, mets-toi en 1.1 quand même. Est-ce que je le mettrais pas plutôt en 1.2? Comme ça, il sera moins relou avec les... Root password, et ben, écoute, on va mettre comme les autres. Hop. Bon, ça y est. Reload. Allez. Et alors, dans le reload, il nous fait quoi, là? Il nous fait rien. Il ne reboot pas la machine. Ok. Ok. Et donc, il a bien redémarré. Donc là, maintenant... Voilà, il n'arrive pas à reloader parce que... Et maintenant, on a notre dashboard. Ok, c'est cool. Et on aurait des mises à jour ?
Non. La dernière ISO n'est pas... Bon. Quand même aller jeter un œil au dashboard de base, histoire de voir un peu qu'est-ce qu'il détecte. Donc, il nous dit qu'on a un firewall en version 3.0, ok. On a bien un Xeon E5 avec 2 cœurs 4 threads, ça c'est cool. CPU usage négligeable. Paf, 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 la mémoire. On a déjà un tableau qui est, enfin, un dashboard qui est un peu plus conséquent, hein. Ok, très bien. Bon, alors pour l'instant, ça reste juste on va dire de la mise en place de notre environnement de test. Mais, tiens, je voudrais quand même m'assurer que si je tente un ping de 1.1... Ah, on sort toujours pas, par contre. Me serais-je trompé dans les... Me serais-je trompé dans les problématiques d'interf... je pensais plutôt au firewall... on va aller rechercher l'histoire. Alors, c'était quoi? C'était les bogons. La gateway. Ah. Ah oui, bah oui, de fait. Il est peut-être toujours. Ouais, il est resté avec la 1.1 en default. Donc, on va aller. Wired settings. Hop. Tac. Allez, relance-moi ça. Default via 1.2. Voilà. Et resolve CTL 1.2. Ah, non, tiens, il veut toujours pas sortir. Est-ce que le firewall, lui, par contre, l'autorise? Si je prends un... Ah non, tiens, 7 ping host, allez. Bah alors. LAN gateway. WAN DHCP. Il me dit bien online. C'est curieux ça. Diagnostic. Interface. Interface LAN. Ok. Ah, il bloque pas les bons. Ok. Et le WAN. Il bloque pas les privés, il bloque pas les bogons non plus. Non, non, pour le coup, c'est... on est bien, on a bien la route par défaut à 1.2. Mais même ici, là, il refuse de sortir sur l'extérieur. Pourtant, avec PFSense, il nous affichait des mises à jour, hein. Ah, ce serait quand même fou que par défaut les rules ne permettent pas de sortir. On va revenir dans les VM. Alors, firewall. Le NAT. Non, rules. LAN. One. No one rules, all incoming protect, nanana, ok, soit. Outbound, tiens, il est où là? Donc on est en automatique outbound NAT rule generation, pas besoin.
Ah, la config net a été changée. Ouf. On va le refaire. Hein. Mince. Hop, il est là. T'as pas l'air d'être ça, non? Ça semble bon. Ouais, bah oui, ça semble bon, mais ça ne l'est pas. C'est bizarre. Automatique, c'est quoi ça? Firewall Optimization, ouais, bon pour le moment. Disable all packet filtering. On peut-être éviter. Anti-DDoS, bon, il n'est pas activé. Bon, bah, ça commence un peu. Ça commence un peu mal. Bon, c'est installé, ça c'est sûr. Maintenant. Maintenant, on va devoir diagnostiquer ça ou faire d'autres installs et puis ensuite on verra comment, comment comparer un peu tout ça au premier setup. Bon, Dinfi pour l'instant c'est pas ouf, mais je crois me rappeler que j'avais eu des soucis similaires avec OpenSense, donc on va pas leur en tenir rigueur pour le moment. Bien, 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 bien. Salut Nebed, t'arrives au bon moment, on est sur le point de finir. J'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée avec moi. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant qu'on commence à aller voir un peu ce que ces différents, différents modèles de firewall ont, ont pour eux. Je pense qu'on va, on va beaucoup effectivement comparer, à mon avis, ça va être les interfaces et les, comment dire, et, et potentiellement les perfs, je pense. Voili voilou, bien. Si vous voulez voir la suite de ces aventures, parce qu'on va, on va pas en rester là, hein, tant qu'à faire, on vient d'ouvrir le sujet, et ben ce sera jeudi prochain, 20h-22h environ. Et il y a toujours l'autre, l'autre stream de la semaine, qui lui a lieu le dimanche, de 18h à 20h, sur lequel on fait un autre sujet. Ces derniers temps, on fait pas mal de NetBSD. Et je pense que je pense qu'on on fera des trucs un peu différents avec NetBSD lors du stream de dimanche. Donc j'espère vous y voir nombreux. À part ça, si vous voulez qu'on discute entre les streams, et ben vous pouvez rejoindre le Discord ici. Vous pouvez rejoindre aussi les réseaux sociaux. Merci à toi Arthur Pilgrim du First Time Chat, donc bien, bienvenue, c'est l'occasion de te souhaiter la bienvenue. J'espère que tu as regardé assez longtemps pour avoir des trucs sympas. Et comme vient de, de l'indiquer Xavier, eh ben, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux. La liste est donc sur l'URL qui est là. Hop. Et vous retrouverez ben, Mastodon, Twitter, Instagram, LinkedIn, enfin la totale quoi. Je vous propose, avant de se quitter, bah, qu'on aille faire un raid. On va aller, justement, faire un raid vers Nidouille, qui, elle aussi, fait un peu du firewall en ce moment. Et je crois qu'elle faisait joujou, elle fait joujou avec, justement, le comment dire, le manager de firewall de Dinfi. Donc, je lance le raid, et je vais mettre la, la page de fin de stream. N'hésitez pas à rester. Ne serait-ce qu'au moins le temps du raid, ça va vous permettre non seulement de me soutenir moi, mais aussi de soutenir Nidouille lorsque vous arriverez. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous donne rendez-vous dimanche et jeudi prochain. Bye bye !